我爱你。 بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنكمل إن شاء الله ما قد وصلنا إليه من الحديث عن أحوال الآخرة وما يكون بعد الموت وقد وصلنا إلى البعث وما بعد البعث Donc nous continuons où nous étions arrêtés sur la série de la mort jusqu'à la demeure dernière. Donc là c'est le cinquième cours et nous sommes arrivés à après la résurrection. Et lorsque les gens se retrouvent sur la place du jugement, rassemblés. فَأَوَّلًا wa الْبَعْثِ وَأَسَّاعَةُ لا رزurrection l'heure لا يكون إلا يوم جمعة نايفغاكو لو جور دو كما جاء في الحديث euh, الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داوود والنسائي والترمذي في سننهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة أي مستمعة وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح إلى أن تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. Donc dans ce hadith qui a été rapporté par imam Malik et Où le Prophète wasalam, dit Certes, le meilleur jour où le soleil s'est levé, c'est le jour du vendredi, parmi les jours de la semaine. Ensuite, il a cité, cité les différentes choses et événements importants dans l'humanité qui se sont passés le jour du vendredi. Il a dit Dans ce jour du vendredi a été créé Adam salam, Adam, notre ancêtre. Et dans ce jour, Allah Subhanahu wa Taala lui a repenti et lui a pardonné son péché. Et dans ce jour avant cela, il a été dé... Adam est descendu du paradis vers la terre. Et dans ce jour, Adam est mort. Et dans ce jour aura lieu l'heure, c'est-à-dire la résurrection. Et il n'y a pas, certes, une seule bête ou animal ce jour-là, qui est le jour du vendredi, sans qu'elle soit attentive et en train d'écouter et d'essayer d'écouter, de peur de, euh, de l'heure et, de la... et de, la... de la fin des temps et de la fin du monde, euh, lorsqu'elle, « min haina tusbih » min al-fajr » de l'aurore, « hatta tatu ashem jusqu'au lever du soleil, « illa al wal-ins » sauf les hommes et les djinns qui sont eux insouciants. souciant. « Wajaa fi ba'dir riwayat kama inda tabarani »« min hadithi min umar marfu'an »« annahu la taqumu sa'atu illa inda al » c'est-à-dire que la sa'a, l'heure, la résurrection, ne n'aura lieu que lors de l'adhan.

Ils seront donc euh, rassemblés et conduits vers la place du jugement. On a cité la description de la place du jugement ce jour-là. Ce sera une terre, cette terre, mais qui sera changée. Alors, toutes les créatures, les animaux, les hommes, les gens seront tous rassemblés. Ça veut dire que les gens, tellement ils seront nombreux, et malgré la largesse et la grandeur de la terre à ce moment-là, ils ne trouveront d'endroit que pour mettre leurs leur pieds simplement ils ne pourront même pas bouger. Wa kama zakaarnaykom, on avait cité, tadnu shams, le soleil sera alors rapproché. Naam qadrami ilin sera alors rapproché à la distance d'un miles. Fata alikunna wa fiya alikunnaas, les gens commenceront alors à suer. Wa tabluro harqum ila ila darajat, f'abadhum ila kabehi, w'abadhum ila hiquwayhi, w'abadhum ila ila al afqan, certains jusqu'au menton, certains jusqu'aux chevilles. Certains jusqu'à la poitrine, certains jusqu'aux hanches, en fonction de leurs actions. Naam. wa ja hadith affi hadith sur, aussi il a été rapporté dans le hadith sour de la trompe qu'on avait citée déjà. Anna euh, hina idin, idan, yani en nas, ils attendront alors. naam wa yantadiroun, euh, yani kabiran jiddan »« une attente très très longue. Rouya, fi ahadith Saba'ina A'man, Certains ont dit 60, 70 ans qui sont venus dans c'est une version qui est venue dans certains hadiths, Wa qila akthara min dalik wa hina idin yabkoun an nas. An nas yabkoun les gens vont commencer à pleurer. Wa tanqat, hasta tanqadir al dumwa jusqu'à qu'ils n'auront plus de larmes. Fayabkoun hina idin daman. Ils pleureront alors du sang en attendant, Naam dans cette souffrance. Layakulun wa yashrabun, sans manger et sans boire. ومقدار يوم الفصل ما هو كم ستكون هذا يعني يوم الفصل ويوم القضاء لو جور دو ججمنت combien de temps va-t-il durer ففي خلاف بين العلماء وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان مقدار يوم الفصل 50 الف سنه لتر رابورت عبد الله بن دبر عبد الله بن عباس ترجمان القران المترجم للقران دابري ان فيرجون اوتنتيك Il a dit que le 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 le, le temps d'attente, le jour de euh, du jugement, sera, à dire le temps d'attente et le jugement, tout cela sera cinquante mille Ala qawlihi ta'ala fi surat al-ma'arij min allahil ma'arij ta'aruj al-mala'ikat wa al ilayhi fi yoomin. kana مقداره خمسين ألف سنة. كان في يوم كان مقداره dans un jour dont la durée sera 50 000 ans. Là, les exégètes ont une divergence sur l'explication de ce verset. Est-ce que ce qui est voulu par cela, c'est la durée du jour de, 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 du jugement Il y a une autre parole et une autre explication de Abdullah ibn Abbas lui-même, dans le verset, euh, 50 000 ans, c'est la distance entre l'arche et l'arbre du 7 c'est la distance qu'il y a entre le trône d'Allah Azza et la septième terre, qui est la plus profonde. Bima'ana anna insan law di al-masafa, taban al-malak yaqta'uha fi wa amma insan law la fi al cest C'est-à-dire c'est la distance, 50 000 ans, c'est-à-dire que c'est la distance que l'homme, s'il la parcourrait, il mettrait 50 000 ans, alors que l'ange met une journée. وقيل في الآية يعني أقوال أخرى قيل أنه مدة البرزخ وقيل مدة عمر الدنيا certains ont dit parmi les savants que c'est la durée de la vie c'est-à-dire de la durée de la vie هذه euh, الحياة elle, elle dure en tout 50 000 ans والله تعالى أعلم هذا للكافر هذا للكافر ça c'est pour le mécréant أما المؤمن الذي حسن إيمانه يعني لما يذنب

En disant cela, certes, ce sera allégé, c'est-à-dire la souffrance le jour de la résurrection et la durée d'attente, ce sera allégé pour le croyant, jusqu'à ce que ce sera plus léger pour lui, qu'une prière, que la durée d'une prière qu'il faisait dans cette vie. La durée de faire, d'accomplir une prière. fi hadith Abi Huraira, annahu kal, nafsuhu, annahu yani al wa ma bain il a été rapporté de Abu Hurayra que la durée euh, du jugement pour le croyant et du jour du jugement pour le croyant sera comme la durée qu'il y a entre le Dhuhr et l'Asr, wal wallahu ta'ala a'lam. Adam miqdaru yawm al-qiyamah. Roya an ba'd al-ulama'i annahu sayantadhiruna 40000 sana, hum yantadhiruna faqat. Il a été rapporté que pendant 40 000 ans ils attendront. Wa 10000 sana nam wal faslu wal qada et pendant dix mille ans après ce sera le jugement de d'allah subhanahu wa taala euh, euh, contre, euh, contre, euh, contre euh, par rapport à ses créatures wa qala ibn abbas radi allah taala anhu la waliya muhasabata al ibad ghayr allah lam yafrukh fi 50000 ans il a interrompu ce porte d'abdallah ibn abbas il a dit si autre qu'allah azaw jal de vrai euh, faire le muhasaba ça veut dire euh, demander des comptes et devra rendre des comptes. Concernant les gens, les gens devront rendre des comptes et devraient, euh, devant autre qu'Allah, la personne ou cette chose ne pourra pas le faire en 50 000 ans. N'aam. amrun a'zim. Al khala'iq kulluhum, toutes les créatures, min Adam, il a akhir l'insan, min al jin wal ins, toutes ces créatures qui auront une muhasaba d'aqiqa, ils devront rendre des comptes et des comptes précis. Toute personne devra rendre des comptes. Aucun ne pourra s'échapper, et avec cela, le jour du jugement durera cinquante mille ans seulement. Donc ils seront dans une frayeur terrible. Imaginez-vous cette attente. Lorsque l'un d'entre vous attend avant de passer un examen. Ou attend d'avoir un rendez-vous important. Il attend et il est stressé. Il attend et il a peur. Il attend et il souhaite simplement être après cet événement. Imaginez-vous toute une vie, toute une vie, l'examen de toute une vie. Et l'examen qui, c'est-à-dire après cet examen-là, et le résultat de cet examen, c'est un bonheur éternel ou un châtiment éternel dans le feu d'Allah azou jua'ud billah le feu de l'enfer narullah al muqada un examen terrible et une attente plus que stressante naam yantazirun yantazirun wa yantazirun wa la yati Allah Allah subhanahu wa ta'ala les laisse attendre wa la yarawna shay'an wa lam yanzil Allah azou ila Ardil al wa al-fasl Allah subhanahu wa ta'ala n'est toujours pas descendu. Wallahu subhanahu wa ta'ala n'est toujours pas venu pour euh, le jugement et pour que les gens rendent des comptes. Fahina idin yafsaun nasu wa idin yadhabun nasu wa yadhhalun nasu wa alun. A ce moment là les gens se questionnent, les gens alors qui sont dans cette frayeur, se questionnent, alors ils vont dire entre eux, vous voyez dans quel état vous êtes, vous voyez dans quelle circonstances et situation vous êtes, n'y aurait-il pas, dans le sens de ce qu'ils disent, n'y aurait-il pas quelqu'un qui pourrait intercéder pour vous auprès d'Allah Jalla afin que cette frayeur et afin que cette attente se finissent. On a des hadiths où la chaffa, الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة والشفاعة من أمور المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. La chaffa, l'augment, l'intercession du Prophète Aliyhi wa sallam, ça fait partie des choses qui ont été rapportées du Prophète Aliyhi salatu sallam dans énormément de hadiths. On laisse entendre un hadith et personne ne peut prétendre ou renier cette chose, ou réfuter cette vérité. La dihi ya shafa'atun nabi as-salam. Fayakoulouna, ay baadun nas li baadin, naam, yakoulou baadun nas li baadin, aboukum Adam. Naam, man ahaqku bidalika min abikum Adam. Qui est le plus en droit d'intercéder auprès de vous, auprès de vos seigneurs que votre, votre père, Adam alayhi salam, Adam. Fayadhabouna ila Adam. donc ils vont ils partent alors le jour de la résurrection voir آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أول البشر أنت أبو البشر خلقك الله بيدي خلقك الله بيدي الله عز عزوجل تكفيده السماء كما جاء في القرآن خلقك الله بيدي ونفخ فيك من الروح وأمر الملائكة فسجدوا لك il a ordonné aux anges ils إشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب قبله بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. Adam, salam, le prophète d'Allah notre ancêtre, le premier homme, qu'Allah l'a parlé direct, lui a parlé directement. Toutes ses faveurs et tous ses mérites. Avec cela, Adam salam répond :« Certes, mon Seigneur, s'est mis en colère aujourd'hui et ce jour d'une colère qui n'a pas de précédent et d'une colère qui n'aura pas de colère pire après cela. » Wa Il m'a certes interdit d'approcher de manger de l'arbre. j'ai certes désobéi. Nafsi, 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 mon âme, mon âme, mon âme. Je ne pense qu'à mon âme aujourd'hui. il partez voir autre. Na'am, je ne suis pas celui qui va intercéder auprès d'Allah pour vous. ila partez auprès de quelqu'un d'autre. ila Il les dirige alors vers le messager d'Allah. ومن أهل أولو العزم أولي العزم من الرسل parmi les cinq meilleurs messagers d'Allah Noé، نوح عليه السلام فيذهبون إلى نوح فيقولون له مثل ما قال يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض tu es certes le premier messager vers les habitants de la terre وسمّاك الله عبدا شكورا et certes Allah عز وجل t'a nommé le serviteur reconnaissant كما في سوره الاسراء، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا الى ربك، الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، كم الى ادم عليه السلام، ثم يقول: وانه كانت لي دعوه على قومي. جافي سيرت اون دعوه، اي دعا، ان انفوكاسيون، كيتي اكسبتي، اي جولي اوتيليزي مون بوبل. حينما قال ربي لا تذر على الكافرين على الارض من الكافرين ديارا نفسي 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 انه يعني هو فهم انه خطا قلت سيتي اون ايرور اون فوت نفسي 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 اذهبوا الى غيري اذهبوا الى ابراهيم بون امون ام جو نو بونس مون امون بارتي فير اوتر كو موا ديريجيو فو فير اوتر كو موا ديريجيو فو فير ابراهيم ابراهيم النبي د الله عز وجل فيذهبون الى ابراهيم فيقولون يا ابراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، توي سيرت لو الله وخليله ستادير لو بيان الله عز وجل خليله من أهل الأرض، نعم، فيقول اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته، إلى سيتي ألوغ لي تخوا منصونج كي alors qu'en réalité ce n'est pas des véritables mensonges, mais c'était des russes c'était des russes qu'il a employées pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pour protéger son épouse. Et malgré cela, le jour du à ce jour, tellement il est terrible, il aura peur de ces, entre guillemets, trois mensonges. « Idhahabu ila ghayri, idhahabu ila Moussa, partez voir autre que moi, partez voir Moïse, Moussa alayhi salam » فيذهب الناس إلى موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله تقول ميسا جد الله واستفاك الله برسالاته وتكليمه على الناس يا الله عز وجل نعم تألو par le fait de t'avoir envoyé برسالاته وبتكليمه على الناس نعم بمعنى أن et que le fait que Allah subhanahu wa t'a directement لذلك سمي موسى كريما كريم الله الله عز وجل c'était موسى عليه السلام c'était كريم الله celui qui a parlé à Allah عز وجل وكلم الله موسى تكليما اي Allah lui parlait directement une énorme faveur. Faqala Musa inna rabbi qad ghadaba al-yawma ghadaban نفس الجمله, thumma wa inni qataltu nafsan lam armi biqatliha et j'ai certes tué une âme dont je n'ai pas été ordonné de tuer, c'est-à-dire le copte qu'il avait tué sans faire exprès. Ce n'était pas volontaire, c'était un crime involontaire et avec cela, il aura peur ce jour-là, Fayaqul nafsi 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 idhhabu ila ghayri idhhabu ila Isa. Il pensera à sa propre âme et dirigera les gens alors vers Jésus, le fils de Marie, Isa bin Maryam. Fa yadhhabuna yadhhabu an Isa alayhi salam, fa ya Isa ou Jésus. Na'am, anta rasulullah tu es le messager d'Allah. Na'am, wa kalimatuhu Kaha ila Maryam wa ruhun minhu. Et tu es la parole d'Allah. Qu'il a envoyé vers Mariam, Marie, c'est-à-dire sa mère. Wa roohun min, wa kalam tanna sa Mahd et tu as parlé aux gens alors que tu étais dans ton berceau. Tu étais alors qu'un qu'un qu nouveau né. Naam Ala tara, ishfa'ala na ila Rabbi, ala tara ma naphnu fee, ala tara ma qad balghan na. Feyqoolu Isa, inn Rabbi qad ghabba l-yooma ghabban el sitla min khaz. Thumma, wlam ythkur thanban kama jaafil hadith. Ça montre la faveur de Isa alayhi et il ne cite aucun péché. ومع ذلك يقول ما انا بصاحب ذلك، Je ne suis pas celui qui va interceder auprès de pour vous, auprès d'Allah. الله. نفسي نفسي نفسي، Je ne pense qu'à ma propre âme. Mon âme mon âme mon âme. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد. partez voir autrui صلى الله عليه وسلم، partez voir محمد، صلى الله عليه وسلم، فيذهب الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر tu es le messager d'Allah et tu es le dernier des prophètes le sceau des prophètes et certes Allah Azza wa Jalla t'a pardonné tes péchés euh, tes péchés antérieurs et postérieurs إشفع لنا إلى ربك auprès de nous euh, pour nous auprès d'Allah Azza wa Jal ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فأقوم وفي بعض الروايات أنا لها أنا لها certes c'est moi Dans le sens, c'est moi qui suis, naam, certes, celui qui va intercéder pour vous auprès d'Allah. « Wa yadul yadullu ala fadlin nabi alayhi salam ala sa'iril khala'iq » Cela montre la place du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. « al alqiyama yarbituhul al akhirun Toutes les créatures, « Hatta Ibrahim alayhi salam » Même Abraham, qui est un des meilleurs prophètes, « naam »« Hatta Adam alayhi salam » Même Adam, tous, « naam » Ils seront jaloux, non pas d'une jalousie malsaine, mais le ribta, mais il s'est le ribta, le nabi alayhi salatu salam, de ses faveurs et ses mérites. Ruyana, al-Nabi alayhi salatu salam, Dakarna, on avait cité qu'Ibrahim alayhi salam, oua awalu c'est le premier qui sera vêti le jour de la résurrection. Ensuite, il se placera, Ibrahim alayhi salam, Abraham, devant le trône. ثم يكسى محمد صلى الله عليه وسلم بحلتين خضراوين ensuite le prophète sallam sera vêtu de deux vêtements verts ويقوم حينئذ ويقام اين عن يمين العرش il sera alors placé le prophète sallam et sa place sera à droite du trône d'Allah azza wajal فيقوم مقاما لا يقومه احد personne ne pourra se mettre à sa place sauf le prophète Mohammed sallam الله al-awwalun wal-akhirun kama jaa fi al-hadith أنا لها أنا لها. يجي سي موان سيرت كي سوي سولو كي الله. نعم. وهذه هي الشفاعة العظمى. سيال كون ابلا جراند انترسيسيون دو صلى الله عليه و سلم. اي سافي باغتي دي كاركتيريستيك دو عليه الصلاة السلام. نعم. من مميزاته يوم القيامة وجاء ذلك في القرآن. سي دون القرآن الله سبحانه و يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Maqaman mahmoun al maqam jaa hadith bi ind Imam Ahmad bi isnad hasan annahu al shafa'a cela l'intercession cette intercession qui est la grande intercession wa hiya al shafa'atu fi li ahli al mawqif pour tous les gens tous les gens les croyants et les non croyants de la place du jugement à ce moment-là hatta n'am yati Azujal azza wa jalla fayfsil baynahum afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne et juge entre tout le monde n'am wa tazil tazul hadhihi shidda ya'in ka sat sat terrible attente se finisse et ça la grande intercession du prophète Ali aliou sallam donc ça fait partie de ces caractéristiques wa qala nabiyou sallam kama fi al sahih ila al bukhari wa ghayrihi wa u'titat ash-shafa'a n'am khams lam yu'ta'una ahad qabli parmi les cinq choses que le prophète sallam on lui a donné et n'a pas été donné aux autres prophètes avant lui utit ash-shafa'a j'ai eu l'intercession n'am tout prophète avait une dawa, une invocation comme on a cité pour Noé, Noé qu'il a utilisé dans sa vie et le prophète il a laissé son invocation pour son intercession pour sa communauté le jour de la résurrection on verra que dans le prochain cours inshallah que le prophète salelem il a eu il aura plusieurs intercessions en tout il y en a huit huit intercessions du prophète alayhi salatu wa salam ça c'est la première et la plus grande ana laha ana laha fayaqoum qala fayakum aqoum fa ay amam allah azza wa jalla fiati an nabi alayhi salam taht al arsh il va alors en dessous du trône wa fi ba'd ar riwayat ba'd al ahadith faati al fars al fars qalu huwa al arsh devant le trône c'est un endroit qui s'appelle al Fars واخر ساجدا لربي عز وجل. ألوغ إل سبروسترنيغا الله سبحانه وتعالى. ثم يقال: ثم يفتح الله علي من محامده euh, من euh, يفتح الله علي ويلهمني من محامده ما لم ي... و... ومن حسن الثناء عليه ما لم يفتحه على احد قبلي. الله سبحانه وتعالى va ألوغ lui permettre de dire et de proclamé des louanges} نعم et de proclamé الله سبحانه وتعالى. ديكسبرسيون et de phrase. qu'Allah subhanahu wa ta'ala appris à ce moment là et qu'il n'a jamais appris à personne d'autre, des éloges et des louanges. Ce moment là, lorsqu'il se prosternera, et il se prosternera pendant longtemps. Hatta ya Muhammad, jusqu'à qu'on lui dira alors Ya Muhammad, Naam, lève ta tête, et pose, demande, on te donnera. Washfa' tu shafa. Et intercède. Ton intercession sera acceptée. واشفع تشفع. نعم فيقول حينئذ النبي عليه الصلاه والسلام انظروا الى شفقته لامته. روكاردي سا ميزريكورد سون امور وهم نحن يقول امتي امتي يا رب امتي امتي يا رب امتي امتي ما المسلمون. فيقال له حينئذ يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس في ما سواه من الأبواب On lui dira alors, fais entrer de ta communauté ceux qui n'ont aucun jugement et aucun compte à rendre. C'est des 70 000 qu'on citera dans le cours prochain, incha'Allah, de la porte droite des portes du paradis. Naam, comme a fait le <'en> hadith. « Hadihi al-shafa'atul-udhma lil-rasoul alayhi salatu التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم دونك سي بيان اوثنتيك دو بروفيت عليه الصلاه والسلام فالنبي صلى الله عليه الصلاه له مقام عال في هذا اليوم يوم القيامه لو جور دو لا ريزوركسيون اي لوغا اين ايمونس نعم كما جاء في الحديث قال ولي euh, يعني لواء الحمد لواء الحمد يوم القيامه ليتاندار دو لا لوونج سي لوي كي بورتيرا ليتاندار دو لا لوونج ادم فمن دونه تحته Ou comme dit, Adam Adam ou tous les autres prophètes seront en dessous de cet étendard et seront, euh, seront derrière le prophète Alihi salatu dans toutes les faveurs et dans tous les mérites. Oui. انا اتيكم فاقضي بينكم وهو مطلوب النبي عليه الصلاه والسلام سي ك اللي avait demandé le prophète al-salam c'est qu'Allah ويجوز ان نقول ان الله عز وجل يجي وياتي on a le droit de dire qu'Allah viendra ولا يلزم من هذا ان يذهب الله من مكان فيدخل في مكان ولا يد بالله ce n'est pas compris par cela qu'Allah azza wa jalla part d'un endroit pour aller dans un autre Là. كما ظنه أهل الكلام والمبتدعة كم سختن سكت إجاري لون بنسي فنقول كما قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا سيخت الله viendra le jour de la résurrection ليقضي بين الخلق afin de juger entre toutes les créatures فيجيء الله عز وجل نعم حينئذ قبل ذلك نذكر فضيلة من النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. avant cela nous avons cité une faveur et un mérite énorme du prophète صلى الله عليه الصلاة والسلام. ألا وهو حوض النبي عليه الصلاة والسلام. nous allons parler du bassin, le bassin du prophète صلى الله عليه الصلاة والسلام. الذي يكون في عرسات القيامة ومواقف القيامة parmi les scènes euh, énormes de, du jour de la résurrection. حوض النبي عليه الصلاة طبعا جاء في الحديث Uh, الذي رواه سمره بن جندب وصححه الامام الالباني ان لكل نبي حوضا نعم، tout prophète le jour de la resurrection auront ou aura un bassin نعم ان لكل نبي حوضا نعم ف وكل نبي سوف يقوم على حوضه ومعه عصا، et chaque prophète sera sur son bassin نعم، et aura avec lui un bâton Et chaque prophète appellera les personnes qu'il reconnaît de sa communauté, de sa propre communauté. Toutes, comme j'avais le hadith, toutes communautés auront des signes pour que leurs prophètes les reconna reconnaîtront le jour de la résurrection et ce moment-là. Après cette longue attente,

certains leur viendront quelques personnes un groupe de personnes certains deux hommes certains un homme certains personnes ne viendront à leur bassin parce que certains prophètes ont été envoyés vers les gens et certains prophètes personne n'a cru en eux son bassin sera le plus grand des bassins wa hadith wa arju an ça veut dire que le Prophète il espérera et certes ce sera la, la vérité le jour de la résurrection le plus de gens qui iront vers le, 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 le bassin ce sera le bassin du Prophète il y aura le plus de personnes parce que sa communauté c'est la plus grande des communautés qui ira au paradis Ja'a hadith nabi alayhi inni arju an rub'a ثم قال والله اني لأرجو ان تكونوا ثلث اهل ثلث اهل الجنه والله اني ارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه ثم قال ما انتم في الناس يومئذ الا كالشعره البيضاء في الثور الاسود كما j'ai في الحديث le hadith إلى Emil il a dit j'espère que vous serez le quart des gens du paradis et des habitants du paradis ensuite il a dit j'espère que vous serez le tiers des habitants du paradis ensuite il a dit la moitié des habitants du paradis والصحابه يقولون الله اكبر الله اكبر Ensuite, il dit Et certes, vous, avec cette communauté, les musulmans, vous êtes par, par rapport aux autres aux personnes, aux autres communautés et par rapport à l'humanité, comme le poil blanc sur, c'est-à-dire la, la, la fourrure du taureau noir. C'est-à-dire, euh, dans le khayr, dans le bien, dans les bonnes actions, vous êtes les meilleurs. Il aura un grand bassin immense. وهذا الحوض ينصب الماء فيه من الكوثر والكوثر هو نهر فِي الْجَنَّةِ النبي عليه الصلاه والسلام وهو في الجنه النبي عليه الصلاه الله سبحانه وتعالى له اعطى انا اعطيناك الكوثر أنت دوني سرت الكوثر الكوثر هو الخير الكثير الخير الكثير لو بيان grand euh, en grand nombre Et C'est le cadeau qu'Allah a donné à son messager, à son prophète Mohammed comme il a été rapporté dans la sourate. surat. Et c'est une rivière. Une rivière du paradis qui est pour le prophète Mohammed qui s'appelle Al-Kawthar. Et de Al-Kawthar, c'est-à-dire qu'il y aura deux égouttoirs qui sortiront donc de Al-Kawthar pour que l'eau s'écoule dans le bassin du prophète Mohammed dans la place du jugement.

al hawd c'est pour ça que la description qui sont venues dans les hadiths du bassin du prophète assalam et de l'eau qui sera bue par les alliés d'Allah azajal du bassin du prophète assalam ressemble à la description et la même que la description de l'eau du kautsar Farouya an nabi sallallahu alayhi wa sallam kama fil ahadith hadith ubay ibn ka'bah inda ahmad nahu qala ma'uhu abyad min al laban son eau sera plus blanche que le lait et sont certaines riwayat certaines versions abyadu min al plus blanc que l'argent le métal wa qala wa ahla ma huwa abyad min al wa ahla min al-asal elle sera plus bonne Naam, plus bonne que le miel wa qala wa atyab rihan min al-misk et son odeur sera meilleure que l'odeur du musc n'am shadd bayadan min al-laban wa atyab rihan min al-misk ou et plus fraîche l'eau sera plus fraîche que la neige imaginez-vous imaginez-vous cette eau alors que les gens seront plus qu'assoiffés imaginez-vous cette eau qu'il pourra boire liman pour celui qui aura mérité de boire de cette eau et dans certaines versions il est venu ou zubd. et l'eau sera encore plus 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 molle et plus encore plus douce que que le beurre celui qui, bo qui pourra boire d'une seule gorgée de cette eau il n'aura plus jamais soif jusqu'à l'éternité les ananas fil les ananas les gens au paradis ne boiront pas par soif voilà mais par plaisir mais par plaisir ils boiront donc ils n'auront plus jamais soif après cela même shariba,

après après la mort du prophète Salim, ils sont apostasiés de la religion, ou ceux qui ont innové dans la religion, les innovateurs, ou alors ceux qui ont démenti le fait que le bassin du prophète est quelque chose de vérité, quelque chose qui existe dans le jour de la résurrection, comme certaines sectes égarées de l'Islam. Celui qui dément et qui réfute

فهذا يدل ان طوله وعرضه سواء C'est-à-dire que la, 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 sa longueur et sa largeur seront égales. Ça veut dire que le bassin sera de taille carrée. De taille carrée مُرَبَّعٌ ومسيرته اي مَسِيرَةُ كل زاويه مَسِيرَةُ شهر او نَحْوِهِ كما جاء في الحديث La distance d'un mois de marche ou de la marche de الله اعلم En tout cas, une distance immense جاء في الأحاديث انه ما بين صنعاء من اليمن إلى أيلة أو إلى بوسرا من الشام c'est-à-dire entre deux villes صنعاء, la ville de صنعاء au Yémen jusqu'à أيلة أو بوسرا comme dans certains hadiths qui sont des régions ou des villes de la Syrie-Palestine c'est-à-dire الشام et dans certaines versions بين المدينة وصنعاء أو بين مكة وأيلة والله تعالى أعلم donc il sera immense والنبي صلى الله عليه وسلم يطردوا Allah subhanahu wa ta'ala enverra des anges, 70 000 anges, Alors, dans leurs mains ils auront des bâtons en feu, wa yadudun al cest C'est-à-dire qu'ils euh, euh, feront partir avec leurs bâtons, ils chasseront les mécréants et ceux qui n'ont pas cru au prophète de boire de ces bassins. Ils ne pourront pas boire al-Kufar. لا يشربون هذا اليوم، نعم. وإنما يشرب من اتبع الأنبياء وآمن بالأنبياء، سولو كيوغا كرو، أو بروفيت نعم. فجاء في الحديث الصحيح في صحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليردن عليّ أصيحابي أو كما قال النبي عليه الصلاة الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. أي اجتذبوا وأبعدوا اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول حينئذ لا تدري ما أحدث بعدك وفي بعض الروايات إنهم لم يزالوا قال ما برحوا يرجعون على أعقابهم أو إنهم ارتدوا على أدبارهم لو لبقفاد عليه الصلاة والسلام نعم في لا Euh, des gens viendront parmi ses compagnons ou les gens qui ont cru à son époque, نعم. Et lorsque le Prophète ﷺ les reconnaîtra, il reconnaîtra les gens de sa communauté. Bi par quelle caractéristique? Bi min wudu. Ils auront les traces des ablutions. donc ils auront des traces blanches sur leur visage et sur leurs bras et leurs et leur pieds. Ça, ça montre que le wudu, les ablutions, c'est une caractéristique de cette communauté. Il le reconnaîtra de cette façon, et alors ils pourront boire du bassin. Ceux qui n'auront pas ces traces-là, ils seront chassés. Et certaines personnes, le Prophète les reconnaîtra. Et lorsque il les, les, les approchera pour qu'ils qu puissent boire, ils seront alors chassés par les anges. Et le Prophète dira alors Mes compagnons, Ashabi, Minni wa Min Ummati, qui font partie des miens et de ma communauté, et on lui dira alors. La tadri ma'ahdathu, bardak tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après toi, après ta mort. Ils n'ont cessé de repartir et de revenir sur leurs traces et sur leurs talons. Ou alors ils ont apostasié, ou alors ils ont innové dans la religion. Barda ma'outi nabi alayhi salam wa alayhi après la mort du prophète alayhi salatu wasallam. Yusrafuna an haudi nabi alayhi salatu wasallam. Hala mashadun adim wa hua mashadul haud, une la scène du bassin du prophète alayhi salatu wasallam. Hail y-est-ce que c'est avant que le Allah subhanahu wa taala viendra pour euh, juger entre les gens ou après? wallahu taala a'lam. F'abed Taban dalika tab'ann al-nass yintazirun. F'abaynamanhumuqofun. Alors qu'ils sont dans l'attente terrible et l'attente si longue, if tanshaq al Alors le ciel se fend

de tous les hommes et les djinns qui sont sur place. Alors qu'on a dit qu'il n'y aura même pas de place. Alors la terre resplendira de leur lumière. Ils prendront alors leur place et leur rang. Ils encercleront alors les gens par un cercle. Les gens alors viendront effrayés et surpris vers eux. En leur disant, Afi comme est-ce que votre Seigneur est parmi vous? na Ils diront, alors non. Gloire à notre Seigneur, il n'est pas parmi nous, mais il arrive. Thumma Ensuite, les habitants du deuxième ciel descendent alors. Wahum dafu adadiman fi ala wajil ardh. Min al wal wal-ins. Tous ceux qui étaient encore alors sur la terre, les djinns et les in, et les, les djinns et les hommes, ainsi que les anges du premier ciel, le double en nombre, qui sont les habitants du deuxième ciel, descendra alors. Et la terre resplendit de leur lumière. les gens vont alors vers eux. Est-ce que notre Seigneur est parmi vous la Non. il n'est pas parmi nous et il arrive. Sama la même chose. Les gens du troisième ciel, qui sont encore le double de tout ce qu'il y avait avant, ils descendent, et la même question, et la même réponse, il a jusque aux habitants du septième ciel. Les anges rapprochés et les porteurs du trône descendent alors, ce jour ils seront huit, les porteurs du trône. وهم الثمانية الأوعال كما جاء في بعض الأحاديث لويت بورتر دو اليوم هذا اليوم سي... سوف يكونون ثمانية ils seront 8. كما قال الله عز وجل في سورة الحاقة <coughs> أما اليوم فهم أربعة mais aujourd'hui avant le jour de la résurrection ils sont quatre نعم فوقهم يومئذ ثمانية كما جاء قال الله عز وجل

Et lorsqu'ils descendront, ils auront d'une voix unique. Ils diront d'une voix, d'une voix forte, et très lourde en sens. Ils glorifieront Allah Azza wa Ils seront en train de glorifier Allah Azza en descendant. Glorifier à la louange d'Allah Azza سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سب سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس سبحان ربنا رب الملائكة والروح الذي يميت الخلائق ولا يموت انسان افريان تيريفيان ويل بروكلام لاجراندور عز وجل سيزونس

ينزل الله تبارك وتعالى ويهتف بصوته حينئذ فيقول في تعالى وتبارك وتعالى الله عز وجل جل dit alors à tous les gens et toutes les créatures نعم اني انصدت لكم من يوم خلقتكم الى يومكم هذا اسمعوا قولكم وارى اعمالكم Je me suis tu, je n'ai rien dit depuis que je vous ai créé jusqu'à aujourd'hui

Et الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. سولي كي بلام ويتلو ويقول الله تبارك وتعالى ويتلو ويقول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. سي سورة ياسين نعم والله سبحانه وتعالى نو rappelle نو رأى بل لونغاجمون كي نو كي لابري نعم وأنه سي certes الشيطان notre ennemi qui وحينئذ الناس يوم القيامة في هذا الأرض والناس ساكتون لا يتكلم احد personne لن يجرى parler كما قال الله عز وجل وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا personne ne pourra parler tu n'entendras que الهمس وهو الصوت الخفي tu n'entends que des chuchotements لا يستطيع احد ان يتكلم اليوم personne ne pourra parler ce jour-la devant Allah subhanahu wa ta'ala لا يستطيع احد ان يتكلم وجاء في الصحيحين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم اليوم إلا الرسل سواء لي مساجي كي يوزرون بارلي ce, ce jour-là les prophètes من فضلهم عند الله عز وجل par leur faveur et leur mérite auprès d'Allah ils pourront parler les gens لا لا الملك ولا المملوك ولا, ولا الفقير ولا الغني personne ne pourra parler devant la grandeur d'Allah عز وجل لا أحد نعم وهم ينتظرون ويأمر الله حينئذ وطبعا الله سبحانه وتعالى حينما يأتي يأمر ببعض الناس ليدخلوا الجنة مباشرة certains personnes seront ordonnées pour qu'ils rentrent au paradis directement وهم الحمدون على كل حال ceux qui disaient, الحمد لله à chaque moment à chaque épreuve à chaque malheur ils disaient, الحمد لله والذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ceux qui se levaient la nuit pour faire la prière والذين لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ceux que le commerce نعم وتخشون ne les ont pas euh, détourné du rappel d'Allah et ويأمر الله حينئذ جهنم نعم فيخرج منها عنق ساطع ولا بالله الله سبحانه وتعالى أدونغا ce moment-là à l'enfer la جهنم Fatah ti Idin Et sortira alors de l'enfer, au lieu d'oublier là un coup. Un coup qui est très haut. Naam, muslim, ténébreux. l'ahu li bar qui aura deux yeux, walissa, non Et qui parlera. Fayakulou, Naam, annahumu, bi thalath Ça veut dire qu'il aura une mission, c'est d'emporter trois genres de personnes. نعم وكلت قال يقول وكلت بكل جبار عنيد ووكلت من بمن دعا مع الله إلى آخر وبمن لا يؤمن بيوم الحساب. trois genres de personnes trois catégories de personnes ceux qui ont invoqué en dehors الله عزوجل d'autres choses d'autres divinités والجبار العنيد نعم والذين لا يؤمن باليوم الحساب ceux qui n'auront pas qui n'auront pas cru à ce jour فيخطفهم من الصفوف يلي alors ce coup de l'enfer كيلي prendra alors parmi les 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 les, rangs. les alors en enfer يدو بالله. تأتي جهنم لها زفير وشهيق كما قال الله عز وجل نعم اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها وزفيرا صوت يعني من ال... c'est ce feu qui est le feu d'allah azougel qu'allah a créé le feu de l'enfer al cette créature qui est une créature d'allah azougel naheem elle aura tellement elle aura la haine et la colère contre les mécréants contre les gens qui ont renié l'existence d'allah azougel naheem on entendra des cris de, de haine et des gémissements de haine et des soupirs زفيرا نعم فكما جاء في الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاه والسلام قال يؤتى يومئذ بجهنم جهنم سور alors امني سو لها سبعون الف زمام 70000 بغيد مع كل زمام ال سبعون الف ملك يجرونها 70000 anges. Tireront alors l'enfer et Jahannam et la Géhenne par chaque bride et chaque reine. Et il y en a soixante-dix mille. « Fayajurrounaha »« Wahina idin tazfaru zafratan »« Naam » Donc elle soupirera alors. « Naam » Et elle gémira alors. « Wafala yabqa ahadun illa khaf » Toute personne aura peur. « Hatta al al-malaikah wa hatta al-anbiya » Même les messagers et même les anges auront peur. حتى الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة حتى الملك والنبي نعم يخر يخر وترعد فرائسه il tombera alors en tremblant devant la frayeur نعم de l'enfer وليد أدب نعم ترعد فرائسه حتى إبراهيم عليه السلام يجثو على ركبتيه فلا يا ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي jusqu'au prophète Ibrahim عليه السلام qui tombera sur ses genoux en demandant à Allah عز وجل de sauver sa propre âme هذا مشهد عظيم جدا كما قال الله عز وجل في سوره قاف نعم قال الله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم وفي القيات الاخرى يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد لا تقول الا ذلك هل من مزيد هل من مزيد نعم كما بعد ذلك هذا سيكون حينما يدخل الناس النار alors les gens rentreront en enfer elle ne demandera que de rajouter, des gens. De rajouter des gens. كما سنرى بعد ذلك مشهد عظيم فالناس يخافون والناس حينئذ يبكون نعم والناس حينئذ في كرب وغم و طبعا هذه مواقف يوم القيامه وفي عرصات القيامه وكل ذلك قبل الحساب بيان سور تو سا سي افون ميم لو فات دو الله سبحانه وتعالى اي كومونسي

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا aucune âme n'aura de préjudice et ne subira un préjudice ou une injustice لا تظلم نفس شيئا وشيئا هنا بعد النفي من أدوات العموم نعم لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل même si c'est le poids d'un grain de moutarde naam ou la plus, plus petite graine qui puisse exister ah ou d'arrah aïn amla sarira ou le poids d'une de la plus petite fourmi ou un atome laïdâd la ahad. personne n'aura d'injustice on ne subira d'injustice naam et en allah hurwal hakemulâd s'calla azel celui le allah subhanahu wa ta'ala ya allah mukun la shayi allah subhanahu wa ta'ala yâ allah shay, wa la shayi anhu shay. allah subhanahu wa ta'ala aucune chose qui peut se cacher. an

وبخير الله عز وجل، فيدعى، يسوغا ابلي. فيقال له: نعم، هل او كما يقال هل بلغت الى جبريل عهدي؟ الله عز وجل يقول: هل بلغت عهدي الى جبريل؟ اسكو تو اا فيس جبريل، سو كو جو تي اوردوني فيقول نعم، فيدعى جبريل. يجي: وي الله عز وجل ابلغا الوغ جبريل عليه السلام، Alors on appellera Jibril, l'ange Gabriel, et on lui dira, est-ce que Israfil t'a fait parvenir le commandement d'Allah Il dira oui, alors Israfil sera mis de côté, il n'aura de, de plus de problème. Ensuite, c'est le, le tour de Jibril, l'ange Gabriel. Est-ce que tu as euh, fait parvenir mon, mon, mon ordre À مساجي فيقولون نعم, فيدعى الرسل. الرسل, les messagers seront alors هل بلغ جبريل وبلغكم جبريل عهدي؟ Est-ce que جبريل vous a fait parvenir mon engagement? فيقولون نعم، فيخلى عن جبريل. جبريل سوغا alors, c'est-tire d'affaires. ثم بعد ذلك الرسل, ensuite ce sera les messagers et les prophètes. فيدعى الرسل, فيقولون نعم. هل بلغتم الى اقوامكم؟ فيقولون نعم. Est-ce que vous avez fait parvenir Mon ordre ou mes commandements à vos peuples. Ils diront oui. Les communautés alors seront alors appelées. Est-ce que les messagers et les prophètes vous ont fait parvenir? Mes commandements et mes anges. À ce moment-là, certaines communautés diront non. comme le peuple de Nuh, a -il y a Aucun avertisseur nous est venu il est resté 950 ans à appeler son peuple subhanallah jour et nuit il a appelé son peuple il a fait tout son effort pendant 950 ans jusqu'à ce qu'il fait, fait partie de ceux qui ont le plus patienté parmi les messagers d'Allah et le jour de la résurrection son peuple mécréant qu'est-ce qu'ils disent Personne n'est venu parmi les avertisseurs. Idin est-ce que tu as un témoin? Regardez, le jour de la résurrection, ce n'est que des preuves, des arguments, des hujaj et des preuves. La il faqat al l'espérance ou quoi que ce soit. Non, des preuves, des arguments. On dira alors à nous salam, sala. shahid, est-ce que tu as un témoin? Naam, Muhammadun wa Oui, Mohammed et sa communauté. C'est-à-dire, nous, nous, les musulmans, serons alors appelés. Vous n'étiez pas à ce moment-là, lorsque ils étaient en vie, ces communautés, comment vous pouvez être témoin Et ils répondront alors qu'Allah a envoyé Na'am. Des messagers ont envoyé Mohammed avec le Qur'an, bilqur'an, wakad kasallah, quran al Et Allah a certes relaté dans le Qur'an les récits des prophètes. Alors, nous, les musulmans, nous témoignerons pour les prophètes et les messagers qu'ils ont certes accompli leur mission. Et le Prophète témoignera pour nous et approuvera de ce qu'on en a dit. C'est-à-dire que notre communauté, nous, nous sommes des Udouls. C'est les, les témoins qui sont appréciés et qui ont accepté par leur droiture. Donc nous, les musulmans, le jour de la résurrection, taba'an, pas dans cette vie, le jour de la résurrection, nous serons acceptés comme témoins par les autres communautés qui accepteront notre témoignage parce qu'ils n'ont pas le choix, pour les prophètes. « Pour que vous soyez témoins pour les gens, contre les gens, « wa ar rasul alaykum shahida » Et le messager qui est Mohammed sallam sera pour vous témoin. « Wa » نبي الله سبحانه وتعالى سوف يدعو حينئذ الانبياء واحدا بعد واحد لا بل غالي بروفيت الى كيستيون كما قال الله عز وجل نعم نعم كما جاء في الايه ان الانبياء يسالون كما يسال المرسلين المرسلين والذين ارسل اليهم فلا نسال الذين ارسل اليهم ولا نسال المرسلين tous seront questionnés les prophètes comme les communautés نعم فيدعى في آدم عليه السلام ثم نوح ويدعى عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام جيزو لفيس دو ماري سلاغا أبلي aussi نعم فعيسى عليه السلام يقول له الله عز وجل يوم القيامة الله لو جيرا لو جور دو لا رزوركسيون سو ايتي رابورتي دو سورة المائدة ا لافان دو سورة سورة دو لا تابل سيرفي واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق Allah lui questionnera Est-ce que c'est toi qui as dit Et Allah le sait Il questionnera pour montrer Afin de montrer à ceux qui ont adoré Jésus Et qui ont adoré sa mère, Marie De leur montrer leur faute Il questionnera Jésus devant tout le monde Est-ce que c'est toi qui as dit aux gens De t'adorer Ainsi que ta mère

وحينما يتجلى الله سبحانه وتعالى لوس الله سبحانه وتعالى حينما ينزل ويتجلى الله يسعق الناس يسعق الناس لي جون سيرو ألوغ فودغواي فودغواي لأن الله يتجلى يس مونتخورا ألوغ سو جور لا جل جلاله لي جون سيرو ألوغ فودغواي يسعق الناس كما جاء في الآية النبي عليه في الحديث الصحيح ذكرناه و لآفي سيتي دون لو كور بريسيدون النبي عليه الصلاة والسلام قال Les gens seront foudroyés. Il a dit, je serai le premier qui se réveillera de ce foudroyement après qu'Allah s'est montré le jour de la jurection et est descendu pour, euh, pour euh, faire hisab et pour demander des comptes fa aqunah awalama manufiq fa ajidu musa ba'atishan birra bika imti'ilmin kawwa imil arshu truvera alor musa muizz na'ham ba'atishan empoignant qui sera en train d'empoigner na'ham un des pieds des pieds du trône prahimatan min kawwa imil arsh fala adri ya qul nabi alayhis salaam le provera je ne sais pas fala adri a soui fa affa fa kabbali est-ce qu'il a été foudroyé lui aussi musa alayhis salaam et il s'est réveillé avant moi ou alors, le foudroyement qu'il a connu lorsqu'il était sur le mont Sinaï, et il a été foudroyé lorsqu'il a demandé à Allah de pouvoir le voir, et lorsqu'Allah s'est montré devant la montagne, et lorsqu'Allah s'est montré devant la montagne, la montagne a été réduite en poussière, et Moussa alayhi salam, Moïse, est tombé foudroyé. Donc, Nabi salem ne sera pas, est-ce qu'il s'est réveillé avant Nabi salem ou alors il a été, Allah ça fait partie, Moussa fera partie de ceux qu'Allah a accepté de ce foudroyement-là, qui sera le foudroyement du jour du jugement. Allah, Subhanahu wa bien sûr, les voix. Mais ne les verra pas dans le sens que il ne les voit pas d'une ne verra pas d'une vue qui a comme pour conséquence la miséricorde. Et Dans cela on explique les versets où Allah subhanahu wa taala, il ne dit Ne les euh, regardera pas ». Dans le sens qu'il ne les regardera pas. Ce n'est pas dans le sens qu'Allah ne les voit pas. Allah voit tout, mais il ne les regardera pas d'un regard miséricordieux. ولا ينظر إليهم وكذلك في هذا اليوم العظيم طبعا كما جاء في الآية في سورة القلم قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق دون سجور تغيب

كما يقال مثلا الحرب حينما تكشف عن ساق او غير ذلك اون سونس كو سو فيدعون الى السجود وقال بعض العلماء سيغتان سافون يكشف عن ساقه جاء في الحديث الصحيحين اللي فنو سو تيرم دون حديث اوثنتيك كي البخاري ومسلم حينما يقول يكشف الله عن ساقه الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه ديكوفيرا الساق وبعضهم قال انه سيكشف نور كو جون فيرون اون Et certains savants ont dit que nous faisons, euh, nous comprenons le verset comme il est et le hadith comme il est et qu'Allah subhanahu wa ta'ala montrera sa jambe. On n'a pas le droit de représenter Allah Azza ou de se le représenter ou de faire ressembler à Allah Azza à ses créatures. À ce moment-là, les gens seront appelés à se prosterner. Fayez minin wa mina. Tout croyant et toute croyante pourra se prosterner hina il din. Fai yud'aouna ila sujud. Fala Qu'est-ce qui ne pourra pas se prosterner? Romul munafiqun. Romul munafiqun. Naam les hypocrites. Et on en reparlera une dans le prochain cours parce qu'ils se prosternaient dans cette vie, les hypocrites, simplement pour que les gens les voient et les entendent. Ils essaieront de se prosterner et ils ne pourront pas. Leur, leur, leur dos sera, ne sera plus qu'un seul os, c'est leur colonne vertébrale, et ils ne pourront pas se prosterner.

cela se passera après le muhasaba c'est à dire après les comptes c'est pour montrer avec précision quelles œuvres seront retribuées et quelles œuvres devront être punies alors que le l-jumla. alors que le fait de rendre des comptes c'est les c'est pour mesurer si la personne ira en enfer ou au paradis

les cieux et la terre et ce qu'il y a dans les cieux et dans les terres, euh, elle ne pourra, ce sera même plus grand que les cieux et la terre. Deux plateaux immenses. Elle sera placée et dressée devant le trône. À droite de l'enfer, il y aura le paradis est à gauche de l'enfer, à gauche de la, de la balance, il y aura l'enfer. La balance est le plateau plutôt des bonnes actions, c'est-à-dire le plateau sera de la lumière et sera vers le côté du paradis. Et le plateau des mauvaises actions sera du côté de l'enfer, et ce sera un, un plateau. Euh, qui sera plein de ténèbres. Wallahu ta'ala a'lam. قال ulama, c'est à Certains savants, ils ont dit, ce sera plusieurs balances. Wa yadullu alayhi, قول ta'ala, wa nada'ul mawazin bil jam'a al qist li yom il Mizadun a'zim, yazinu kulla shaykh. Hatta habbat al C'est une balance qui pourra peser toute chose, même un atome, comme on a dit, la plus petite, le plus petit poids et le plus infime poids. Euh, de bonnes actions ou de mauvaises actions. N'aam. Fahad al mizan yarjah. N'aam. Min kifati al hassanat awisi'a. Ça veut dire que ou alors les bonnes actions seront plus lourdes ou alors les mauvaises actions. Fa man thaqulat mawazino. Ay hassanat ou. Celui dont ses bonnes actions seront plus lourdes. N'aam. Fa man thaqulat mawazino. Et celui dont le plateau des mauvaises actions sera plus lourd, c'est-à-dire que le plateau des mauvaises actions sera plus léger, partira en enfer. Donc même le poids d'un atome, si même les bonnes actions sont plus lourdes que le, les mauvaises actions, ne serait-ce que le poids d'un atome et une seule mauvaise action, une seule bonne action, il y a Insana al la personne pourra être sauvée et ira au paradis na par le, la, le simple poids infime d'un atome ou le poids d'une petite fourmi, d'une seule bonne action qui pourra le faire entrer au paradis. Et à l'inverse, il pourra entrer en enfer par le simple poids d'atomes de l'autre côté. Ne méprise pas le moindre bien. Les montagnes, comment elles se forment Elles se forment par des petits grains de terre, plus des petits grains de terre jusqu'à ce que ça fait des, des montagnes. Donc même les petits péchés, il faut faire attention de tous les péchés. Un seul petit péché, un seul regard, un seul petit mensonge peut te faire rentrer en enfer. Voilà, Est-ce que la, la, la balance, ce sera pour tous les gens, toutes les personnes, hat les kufar il y a une hypothèse que ce soit pour tout le monde, même pour ceux qui rentreront au paradis sans rendre des comptes comme on citera. Il est possible que eux aussi, leurs actions seront pesées, non pas pour le fait qu'il y, y a une possibilité qui rentre, par exemple les mécréants, il n'y a aucune possibilité, les non-musulmans, qui rentrent au paradis. Et pour autant, c'est possible que leurs actions seront pesées afin de montrer leurs jours mais leurs injustices et à l'inverse pour ceux qui rentreront sans compte au paradis afin de montrer leur faveur et leur mérite. Il faut savoir que le kuffar, les mécréants, c'est-à-dire que leurs actions elles seront vaines. Toutes les bonnes actions qu'un Mécréant un non-musulman a pu faire dans cette vie rahim, le fait de lier les liens de parenté, les sadaqat les aumônes qu'il a pu donner à des pauvres ce se sera réduit en poussière le jour de la résurrection pour quelle raison parce qu'il est mécréant et il a mécru en Allah et en ses messagers et la mécréance annule et efface toutes les bonnes actions donc on finit par cela inshallah c'est-à-dire que les balances, la balance va peser sur cest c'est-à-dire les feuillets et les livres où sont écrits les actions. Là où sont écrits les actions, comme il est venu dans le hadith el Et On le citera dans le prochain cours. Euh, Allah ulama qadalik, ja'atil ahadith, les certains hadith nous sont venus et qui montrent Anna al Mizan Yazinu Qadalik al Amar Nafsaha, c'est à dire que la balance pourra peser les actions elles mêmes. Fayaja'lullah al a'ma la dawatan, c'est à dire Allah subhanahu wa ta'ala fera transformer les actions mêmes en corps qui pourront être pesés sur la balance. كما قال كما في الحديث الحمد لله تملا الميزان الحمد لله ان شاء الله لا وانه اثقل شيء في الميزان خلق حسن بون دون وكما جاء في حديث عند البخاري من حديث ابي هريره النبي عليه الصلاه والسلام قال يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامه Rajul akul al personne qui immense dans, dans, dans son corps, obèse ou autre, qui était, qui était énorme dans, dans sa khilqa, dans sa créature et sa création, il sera rapporté le jour de la résurrection. fala Il n'aura pas de poids auprès d'Allah, même il n'aura même pas le poids d'une aile d'un moustique auprès d'Allah. Ce hadith, ça montre. C'est la troisième chose. Que les personnes seront aussi pesées avec leurs actions dans la balance. Et comme dans le hadith Ibn Mas'ud, lorsque certaines personnes parmi les compagnons ils ont rigolé, ils ont ri lorsqu'Abdullah Ibn Mas'ud, le vent le faisait bouger alors qu'il était en train de cueillir l'arak, le siwak parce qu'il avait des, chambres, des jambes qui étaient frêles ils sont plus lourdes ces jambes les jambes de Abdullah ibn Mas'ud par tout ce qu'il faisait de bonnes actions etc que la, la montagne de Uhud dans la balance donc tout ça montre que les gens aussi seront pesés dans la balance avec leurs actions et aussi donc les feuillets et les livres où sont écrits les actions والله تعالى اعلم نكتفي بذلك ان شاء الله ونفني سولا نعم ربما نسينا بعد شيء فيما يتعلق بالميزان دونك انه يرس لول ان شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالحساب تفصيلا euh, وتطاير الصحف euh, يؤتى الرجل يعني الصحيفه عن يمينه او عن شماله نعم كي لا يقبلها دونك الكتاب lui sera venu de la droite ou de la gauche ou derrière son dos. كومون لي جون دو فون روندي كونت دو الله عز وجل لو كرويون ليبوكريت وما euh, بعد ذلك ان شاء الله في الدرس اللاحق فنسال الله العلي العظيم ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عن سيئاتنا وان يعفو عنا وان يسامحنا وان يتوب علينا وان ينجونا في يوم القيامه وان يجعلنا ممن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وان يشفع فينا نبينا ونبينا صلى الله عليه وسلم هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك